nous étions les organisateurs avec les différents partenaires. Donc, départ, il y a un enjeu qui est très partenarial, c'est-à-dire qu'autour d'un thème commun, d'un sujet commun, c'est comment chacun d'entre nous, les partenaires, à savoir la DSDEN, le rectorat, le conseil départemental, on peut même dire CAF, préfecture, voire collectivité et parents, ont une convergence autour de cette thématique qui nous traverse, qui est un enjeu sociétal. On sait que depuis un certain nombre d'années, l'inclusion est au cœur et d'une des priorités nationales éducatives. Et de notre point de vue, ces moments, ces instances, c'est des instants privilégiés avec des praticiens, des chercheurs, des témoignages qui nous amènent à faire évoluer nos représentations d'autre part et à ouvrir d'autres pistes pour que la société soit davantage inclusive et que l'école y réponde. Vous aviez choisi un chercheur qui a situé l'inclusion, c'était le thème de la rencontre, d'une manière historique également. Et on a bien vu la complexité de l'inclusion finalement dans l'école. Et comment avez-vous perçu, comment avez-vous imaginé d'ailleurs cette rencontre et comment avez-vous perçu ce prolongement vers le numérique depuis ce matin ? Alors, est-ce que Pascal veut répondre sur le sujet ou... Alors, sur le premier sujet, donc Thomas, effectivement, Thomas Bordet est chargé de mission école inclusive dans l'Académie de Limoges. Il a plusieurs casquettes. Ce qui nous intéressait, c'est que c'est à travers un prisme historique qu'on pouvait avoir un regard distancié autour de la société inclusive et se dire que nous sommes le propre produit de notre histoire. Et en l'occurrence, l'héritage de la Troisième République a conduit à un certain nombre de, on peut dire, peut-être de certaines déviances en l'occurrence, où la société, où le milieu ordinaire n'est pas de fait, mais il le devient par nécessité. Et premier point. Et le deuxième point, ce qui nous amène à penser, c'est que le numérique n'est pas une fin en soi, mais un média, un moyen de permettre une société plus inclusive le cas échéant. D'autres moyens peuvent, effectivement, d'autres médias sont possibles, on pense aux jeux, on pense aussi aux travaux manuels, aux pratiques qui nous permettent effectivement de répondre à cette problématique du numérique inclusif, de la société inclusive, pardon. En fait, le problème du numérique, c'est qu'effectivement, il peut être l'objet de fantasmes, hein, ou d'une fantasmagorie, c'est-à-dire qu'on lui prête d'énormes vertus, mais aussi de grands dangers, ce qui ne manque pas d'inquiéter autant les familles que les enseignants. Ce qui apparaît, c'est que le numérique n'est pas une solution en soi. Le numérique en soi, voilà, c'est d'abord un outil et avant tout un outil au service de l'inclusion. Ce qu'a montré Thomas Bordet tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est que le principe de l'inclusion devrait être l'entrée privilégiée et que en fait ça englobe tout, mais comme le principe du numérique qui maintenant ne fait plus partie des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais en fait diffuse partout et en fait est omniprésent dans tous nos gestes et dans toute notre vie. Et donc l'objectif c'est de parvenir effectivement à ce qu'on outille le principe inclusif, et ça vaut pour l'école, ça vaut pour la société, grâce au numérique. Alors, et on n'oublie pas, puisque ça fait l'objet des grands titres de la presse, il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle. Totalement. La seule condition, c'est que tout le monde ait le même niveau de connaissance et d'acculturation à ses propres outils, puisque le déficit qui existe, il est effectivement parce qu'on a des publics très éloignés du champ du numérique. Donc à partir du moment où ces publics sont éloignés, le numérique n'est pas du tout quelque chose qui est approprié à des situations inclusives. Pour autant, c'est un vrai outil de différenciation pédagogique dans un certain cas, dans une certaine mesure, qui doit pénétrer l'ensemble de la sphère de la communauté éducative, ce que j'appellerais la communauté éducative élargie. Quand je parle de communauté éducative élargie, j'inclus les agents territoriaux, voire les associations périphériques qui interviennent dans le domaine du champ périéducatif et donc scolaire.
On a vu d'ailleurs dans un atelier comment tous les partenaires, que ce soit le département, que ce soit France Service, que ce soit toutes les missions locales, enfin tout le monde est investi, et même encore investi souvent au premier degré, c'est-à-dire pour équiper les familles et les former tout simplement à l'utilisation technique pour qu'ils puissent aller eux aussi être accompagnés pour aller sur Pronote, pour aller sur les ENT, etc. On voit bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. De toute façon, on est sur un point d'articulation. Voilà, on pense que de toute façon, on est à l'aube d'une révolution. Elle a démarré il y a quelques années et que là, elle est directement liée à l'accélération, je dirais, des progrès technologiques et des usages. Voilà. Et donc, il faut absolument... Je faisais référence tout à l'heure à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle, mais ça vaut pour le numérique en soi en qualité d'outil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire à côté, il ne faut pas faire contre, il faut faire avec.